Hey, salut à tous! Donc on se retrouve pour l'épisode 3 de Stardew Valley. Donc on est au jour 3, donc on va voir comment on va gérer les choses. Parce que bah, c'est vrai que j'ai l'impression qu'en vidéo c'est un peu compliqué à faire. Mais enfin, je trouve pour l'instant les deux premiers épisodes que j'ai tournés enfin, fort sympathiques et tout. J'apprécie bien le style du jeu. Alors, sors de ton lit ma petite madame. Alors. Ah, il pleut, donc on n'aura pas besoin d'arroser les cultures, c'est plutôt cool. Donc au niveau... Artisanat, on n'a rien à craft. Donc la carte, on n'a pas vu tous les villageois, je crois. Attendez. On en a vu 19 sur 28. Ouais, on en est loin du coup. Donc, inventaire. Les compétences, bon, on n'a rien augmenté. Donc en vrai, on va un peu déblayer le terrain. On n'a pas besoin de d'arroser. Donc c'est plutôt pratique. Donc, hop, on va juste agrandir rapidement le champ. C'est cool de pouvoir faire en travers. Alors, du coup. Bah, ah non, faut la hache. Ouais, si tu prends la houe, tu vas pas aller loin, hello. Alors, on va essayer de ramasser un peu de bois et tout. Pour se faire un peu plus de bois en réserve. Parce qu'apparemment, bon, on a besoin de pas mal. Donc, on va casser toutes les petites bûches. On va se casser un grand arbre. Voir un peu ce qu'on peut avoir. Et en vrai, il y a des petits arbres qui poussent à droite à gauche. On va les laisser, voir s'ils vont pousser à terme. Parce que, enfin, je pense qu'on va être un petit peu en dèche à un moment donné de ressources. Sauf si on peut ramasser ailleurs, il faudra que je teste. J'avais testé à un endroit, on pouvait pas. Peut-être qu'il y a d'autres endroits où on peut. Donc ça, c'est cool. La fibre, on va pouvoir la vendre. Ah, mon inventaire est plein. Ah oui, c'est vrai, j'avais ramassé les coquillages. Alors, j'ai regardé à la fin de l'épisode dernier. En fait, les coquillages serviront à faire des recettes. Non. Je sais plus quoi. Ah si, il faut cliquer comme ça. Serviront à faire des recettes, donc ça pourra augmenter notre compétence de pêche. Donc l'argile, utilisée en artisanat ou en construction, donc on va le garder. La sève, je pense qu'on va la vendre au final, parce qu'apparemment, j'ai pas l'impression que ça nous serve à grand-chose pour le moment. Donc on la va l'acheter, écoutez. On va se faire un petit peu de nettoyage, écoutez. Et on va peut-être essayer d'aller voir un petit peu ailleurs. Il est 8h, alors écoutez, on va peut-être aller voir d'autres villageois. Un autre villageois. Je sais pas comment les appeler, donc moi je vais les appeler les villageois, écoutez. Donc vous voyez cet arbre, on va le laisser. Il pourra peut-être nous rapporter quelque chose, un grand arbre à la fin. J'ai envie d'augmenter un peu nos compétences parce que bah, enfin, sinon on peut pas faire grand-chose, on va pas se mentir. Hop! Et de toute façon, il faut attendre que nos récoltes poussent. Donc il faut plus d'argent pour pouvoir faire plus de plantations, quoi, tout simplement. Ah, on a obtenu du charbon en cassant des pierres, apparemment. Oh, sympa. Sympa, sympa. Vraiment sympa. Alors, je répète plusieurs fois les mêmes mots. Ouais, la logique, hello. C'est quoi, ici? Bon, j'ai pas compris ce que c'était. Écoutez, on va ramasser... Ah, j'ai cru que je l'avais pris, mais non. Yes. Alors, on va aller se mettre ça dans les coffres, et puis on va descendre un peu de l'autre côté de la propriété. Alors, c'est ce clic. Donc, on va mettre tout ça là-dedans. Du varech. Ah, ça nous rapporte de l'énergie, de la santé. Bon, écoutez, on va le garder en vrai. Ça, je vais le vendre. Hop, on va vendre la sève et puis les fibres. Voilà. Donc, on va aller voir un peu. Il y avait la ferme où on avait été. C'était déjà fermé. Donc, on va aller voir un peu ce que ça donne. Apparemment, on peut traverser la propriété d'après ce que j'ai vu sur la carte. Ah, on a un truc qu'il va falloir réhabiliter, j'ai l'impression. Attendez. Ah ouais, c'est quoi ça? Bon, ça me dit rien pour le moment. Non. On va traverser là, on va se casser tout ça. Allez, on va aller voir à la fermette. Et de l'autre côté, il y a des personnes peut-être qu'on n'a pas vues, donc ce sera pas mal aussi. Et ouais, il faut rencontrer plus de villageois. Hop. Il y a beaucoup à déblayer en vrai. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Ah, c'est un petit arbre qui pousse là. Apparemment. Il est tout tout petit celui-là. C'est marrant. En tout cas, c'est cool. On a du varech du coup pour la régénération.
De l'énergie, c'est plutôt pas mal. Bon, niveau énergie, pour l'instant, on est bien. Apparemment, nettoyer le terrain, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Alors, où est-ce qu'on sort? C'est pas par ici? Alors, la petite cartounette. Ouais, je pense qu'on peut sortir à un endroit, non? Oh, je pensais qu'on pouvait sortir de notre propriété. Oh, dommage. Allez, bonhomme, désolé, je suis obligée de te faire courir. Ah, si, il y a un chemin ici, d'accord. Autant pour moi. Alors, on va sortir. Donc là, il y a la fermette. Ouais, c'est ça. On va aller voir si on peut discuter avec les gens. Il y a peut-être des personnes qu'on n'aura pas encore rencontrées. Bonjour monsieur, je suis ici pour m'assurer que Marnie ne manque de rien. Ah, c'est le maire. C'est Lewis. Fourniture. Ah, nice, on peut acheter des choses. Sur moi, je peux rien lui vendre de ce que j'ai, mais acheter des animaux requiert la construction d'un poulailler. D'accord, donc on va devoir créer des entrepôts pour les animaux. Ok, donc on va partir. Je crois qu'elle, je l'ai vue, c'est la petite. C'est Jazz. Salut. Salut, Jazz. Alors, on va voir s'il y a quelqu'un. Écoutez. Il y a l'air d'avoir personne ici. Bon, allez, on sort. Alors, est-ce qu'il y a des personnes à voir de ce côté-là? Attendez, on va prendre la carte. On va regarder vite fait. Il y a un étang là-bas, il y a une espèce de tour. Bon, on va aller peut-être en ville, écoutez. On va aller voir s'il y a des gens. Hop, on va passer par là. J'ai envie de rencontrer d'autres personnes pour essayer de un peu voir comment ça se passe. Bon. Allez, Coco, on y va. Alors là, c'est la maison du maire, non, je crois. Non, je veux rentrer. Il faut pas que j'appuie là-dessus. Ah, il y a des gens. Non, il y a des gens. Mais vas-y. Mais vas-y, hello. Je les ai tous rencontrés, ceux-là. J'ai envie de partir chercher des insectes. Mais maman s'énerve à chaque fois que j'en reviens. Sale, j'hésite. Tu m'étonnes que ta mère elle s'énerve. J'essaie de trouver une nouvelle chanson pour mon groupe, mais je bloque. Et ma musique devrait tourner autour de quel sujet selon toi? Cultiver, miner, couper du bois, une ville sous l'océan, de locomotives, choisis ce que tu veux, ça restera mauvais dans tous les cas. Une ville sous l'océan, moi je dirais. Eh, tu sais quoi, ça a l'air parfait, merci. Bah, de rien, ravi de t'avoir servi, Sam. Oh, Jody, est-ce que tu as pensé à essuyer tes bottes avant de rentrer? Désolée, c'est ce que je viens de juste de nettoyer le sol. Mais t'inquiète, Jody, il y a un tapis à l'entrée, on a essuyé nos pieds. Hop. Ma petite Jody, Jody. Ah, il y a des gens. Est-ce qu'on les a déjà vus? J'ai entendu des rumeurs à propos d'anneaux magiques puissants et très rares, forgés il y a fort longtemps par des civilisations disparues. Je ne sais pas si ce sont juste des contes ou des histoires vraies. Ah bah, bonne question, ma petite dame. Ah, il y a la... Ah, je crois que c'est la fille. Je sais plus comment elle s'appelle. Ellie. J'ai passé toute la matinée à brosser mes cheveux et voilà que la pluie pourrait tout gâcher. Moi perso, je passerai jamais une matinée à coiffer mes cheveux, mais ouais, pourquoi pas, écoute. Fais ce que tu veux, ma petite. Allez. Bah écoutez, on a un petit peu d'argent. On va peut-être aller voir Pierre, son magasin, aller rechercher des graines, tout ça. Donc là, c'est la propriété de Lewis, là, le. Ouais, en vrai, je pense pas qu'on verra grand monde à cette heure-ci. Ah bah il est 14h. Bah je suis pas au bon endroit. Pour aller chez Lewis. Bon, on est en train de se paumer. Maison. Non. Bah mince. Je ne vois plus clair. Manoir du maire. Saloon. Épicerie de Pierre. Ah oui, je suis trop bas. Ouah, il fait vraiment un sale temps aujourd'hui, hein. Alors, on va remonter. Alors, l'épicerie de Pierre est par là. Non. Ah, punaise. Je suis en train de me paumer. Yeah. On est en train de se paumer. Ah, là, voilà, l'épicerie de Pierre. Par contre, j'ai toujours pas compris ce que c'est cette point d'interrogation. Ah, nice. Ah, on a l'anniversaire des gens pour leur offrir des cadeaux. Danse des fleurs et festival des œufs. Tiens. Eh, c'est marrant ça. J'aime bien le concept. Allez, on va aller voir.
Fermé le mercredi. Ah bah d'accord, ok, super. Est-ce qu'il y a des gens au saloon du coup? Vu que Pierre est fermé, peut-être qu'il y aura plus de gens ici. Il veut pas me causer, lui? Bon, très bien, me cause pas, sois pas gentil, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a des gens par là? Ouais, ça a l'air d'être sa maison, donc je pense qu'il y a personne. Par là, il y a quelqu'un. On galère à rencontrer les gens ici. Ah, c'est Sam? On va discuter avec Sam. Rien de tel qu'un Joja Colafré par une journée comme ça, hein? Ouais. Ouais. Pourquoi pas, écoute Sam. Mon petit Samy. Ah, bon, on l'a déjà vu, elle. On t'a déjà vu tout à l'heure, donc allez. Bah, on va descendre à la plage. On va aller voir si on peut encore récupérer des coquillages, écoutez. Tant qu'on est là. Yeah, Yana. Et on va retourner à la maison. Vu que Pierre est fermé. C'est dommage. On peut ramasser ça ou pas? Non. Bon, on a obtenu un coquillage de plus. Il n'y a rien d'autre. Elliot n'est pas là pour discuter avec. On n'a pas encore assez de bois pour le moment. Bah écoutez, on va rentrer. On va utiliser l'énergie qui nous reste pour déblayer un peu le terrain. Et puis voilà quoi. On n'a pas trop de choix. Ah, il y a Lewis là-bas. On l'a déjà vu, Lewis. Je sais pas trop qui aller voir. J'avoue que là, je sais pas trop où sont les personnages qu'on n'a pas encore vus. On va essayer de grimper. Je sais, je fais un détour, mais j'essaie de voir s'il y a des gens. Au final, pour le moment, bah, on fait beaucoup de promenades parce que bah, on cherche à rencontrer les gens. Et là, bah, on n'a pas besoin d'arroser notre plantation, quoi, parce que bah, il pleut. Donc, c'est un petit peu embêtant. Avance, petit bonhomme. Ah, il y a des fleurs. On va les ramasser. Yeah, une jonquille. Un pissenlit. Ok. Alors, ça nous fait quoi, ça? Zéro d'énergie, c'est juste pour collecter. Une fleur traditionnelle à offrir au printemps. Ah, bah, pour la fête des fleurs, ça devrait servir. Ah, ça ramène pas mal d'énergie, ça. C'est cool. Alors, on va les garder. Je pense que ça, du coup, il faut les manger. Alors, on va mettre tout ça. Non, la fibre, on va la vendre. Hop. Demain, on aura pas mal d'argent. Donc, on ira chez Pierre. Donc, ça, je le garde. Ça, je le garde. Ça, je le garde. Ça, je la collectionne pour le moment. Et on peut choisir la couleur du coffre. Nice! Ah, je vais le mettre comme ça, tiens. Ah non, il fait. Ah, il pleut, il fait pas beau comme ça. Non, rose, je vais pas aimer du tout, je vous le dis. Bon, allez, on va le mettre comme ça. Allez, on va déblayer un peu, on va casser encore un peu d'herbe. Écoutez, comme ça, on va augmenter nos compétences. Hein. Peut-être qu'on va obtenir des choses. Hein. On sait jamais. La dernière fois, on avait eu une graine. Par pur hasard, donc on sait jamais. Et la sève, ça va nous rapporter des sous demain. Alors ça, c'est bien, par contre. Allez, parti. Encore un arbre. On a pas mal d'énergie. Donc, on va pas... Allez, quoi, ce petit arbre. Alors, on va déblayer tout ça. Mais en vrai, j'ai l'impression que ça baisse pas notre énergie, ça. 94. On va tester. Ça baisse pas notre énergie de passer un coup avec la truc. Donc en vrai, c'est ça qu'il faut que je garde en main quand je me foire comme ça. On perd pas d'énergie bêtement. Ah, il est 20 h. On va pas tarder à aller dodo. Bah, je vais m'agrandir le champ par ici d'abord. Comme ça, demain, on va pouvoir ramener. Voilà. Allez. Yeah! Allez. Oui, c'est vrai, je peux pas faire le bloc où je suis. À chaque fois, j'oublie. Allez, c'est parti. On va dodo. Notre énergie a bien baissé. Il va faire nuit. Du coup, demain, on essayera d'aller chez Pierre chercher des nouvelles graines pour agrandir nos champs.
Histoire d'avoir de l'argent rapidement. Ah, ça fait bizarre quand il fait nuit, vous avez vu? Oui, on veut faire dodo, s'il vous plaît. Ah, on peut faire des casse-croûtes. Et on a un nouveau schéma de graines sauvages. On a eu plus d'efficacité sur notre hache. Bah, on a eu un peu d'argent, écoutez. On va aller chez Pierre. Allez, s'il vous plaît. On va peut-être aller plutôt à la ferme, peut-être qu'on verra d'autres gens. D'ailleurs, on va y aller tout de suite. Ah, avec... Ah, mince. Ah, on va arroser avant de partir, sinon j'ai oublié. Ah, il est vide. On va aller le remplir. Par contre, mon... Ah, d'accord, c'est l'autre clic. Il faut prendre l'habitude, hein. Hop, allez. Hello, hello. Ah mais... Je me trouve foire de touche à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Ah, si tu te mets sur le bloc, tu peux pas arroser. Alors là, c'est dommage. Alors les haricots. Et l'espèce de graine bizarre qu'on avait eue là. Je sais pas à quoi elle sert celle-là. On verra bien. On verra si ça nous rapporte de l'argent, tout ça. Mais non, mais... Mais non, mais... Ah, punaise. Alors, on va se passer un coup. Je sais que je peux rien acheter à la ferme, mais j'ai envie de voir si on voit d'autres personnes avant d'aller en ville voir Pierre. Non, la hache. Ah, chaque... Non, là j'ai ouvert le chat, ça sert à rien. Ah, c'est ça, c'est à côté de l'étang, donc il faut que je fasse le tour de l'étang. Hop. Oh, une grenouille! C'était ça, hein? J'ai bien l'impression que c'était une petite grenouille. Non? Mais casse-moi la pierre! C'est trop drôle! Hop, voilà, l'entrée est là, la deuxième entrée. Allez, on va aller voir. J'adore les petites musiques. Ah, vous voyez, par contre, on a dormi, on n'a pas récupéré toute notre énergie, du coup. 9h-18h. Oh, bah écoutez, on va se promener dans le coin, on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres fleurs. Parce qu'apparemment, pour la fête du printemps, il faudra des fleurs, donc... Il nous faudra des petites fleurs. Oh, tiens, c'est quoi ici? C'est fermé. Ok, donc on peut certainement pas rentrer si on n'est pas amis avec les gens. Oh, un petit oiseau! C'est sympa. Ah, une fleur, vous voyez, on a bien fait d'aller venir se promener. Est-ce que ici on peut casser les trucs? Tiens. Yes, on peut nettoyer ici. Ah, nice. Ah, il y a plein de fleurs. Oh, cool. Ça, on pourra avoir de l'énergie un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, ah, il est déjà 9h. Ah, il y a encore une fleur. Ah, je prends la fleur et puis on retourne à la fermette. Ouais, je vais laisser la fou, la ouf, la truc dans ma main là, la faux. Allez, on retourne à la ferme et ensuite on va aller au village voir Pierre. Bon, c'est cool, on a des choses pour régénérer notre énergie, vous voyez, je ne savais pas. Donc ça m'arrange de connaître ça. Et c'est ça, on arrive à la ferme. Allez, c'est là-bas. Go, go, go! J'aime bien parce qu'à chaque fois on voit les petites vaches qui se promènent et tout, c'est sympa je trouve. Ma souris, tu viens là s'il te plaît? Ma souris était... Bah ça va Marnie, écoute! C'est la fête! Bah, je peux rien te vendre. Y a personne chez toi? À part les gars, ben? Non? Bon bah c'est tout. Allez, bonne journée Marnie, à la prochaine! Nous on va aller en ville. Allez, c'est parti. On va acheter des petites graines pour améliorer nos champs. Et ouais, parce que si on veut avoir de l'argent rapidement, il n'y a pas le choix. Donc là, il y a l'air d'y avoir rien qui traîne. Oh tiens, c'est qui là? Penny, nous avons de la chance d'avoir une bibliothèque dans un si petit village. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Alors. Normalement, c'est plus haut. Et puis Street Pierre. Oh tiens, c'est lui, on l'a déjà vu normalement. Hé, hey, donc t'es la nouvelle arrivante, hein?
Je pense qu'on va bien s'entendre. Je m'appelle Alex. Ah bah on l'avait pas encore vu, Alex. Bah bienvenue. Bonjour Alex. Merci à toi. On se recroisera un moment. Ah non, Pierre, c'est de l'autre côté du coup. On était trop haut. Ta 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 ta. Hey. Il y a quand même un point d'interrogation. Quelqu'un pourrait-il m'acheter un hareng? J'en aurais bien besoin. Pourrait-il m'apporter, pardon. 90 grammes à la livraison, ça ferait plaisir à Willy. Ah, j'ai pas envie, j'aime pas pêcher. Je suis désolée, mais là, j'aime pas pêcher. Je trouve que c'est trop traînant. Ah, il y a un... Ah, c'est là. 2000 pièces? Waouh, il va falloir qu'on récupère sévère de l'argent. Bah, je peux pas interagir. Ah, si, voilà. Alors, comme ça, on récupère l'argent instantanément. Donc ça, je préfère le garder, en vrai. Du coup, graines de haricots verts. On en a pris du panais, on en a pris. Bah, du chou, on n'en a pas pris. Mais 80. À planter au printemps. Une fleur colorée pousse en 6 jours. Couleur assortie. Graines de chou vert. Graines de jasse. À planter au printemps. Ok, donc là on n'est pas au printemps, nous, je crois. Bah écoutez, on va prendre plus de graines de palais, c'est ce qui pousse le plus vite. Comme ça, on pourra rapidement peut-être avoir des sous. Oh tiens, c'est qui? Oh, c'est Caroline! Ah, je me demandais ce que Pierre voulait faire à manger ce soir. Ok. Bah allez, bonne journée, les petits gens. Oh, Elliot! Oh, Elliot, viens là! Oh, il m'a fui, Elliot. Oh tiens, je l'ai pas encore vue, elle. Ah ouais, d'accord, on peut carrément s'acheter des remèdes. Du coup, ouais, bah j'ai pas rencontré plus de personnes. Et ça, c'est le docteur. On va aller lui causer vite fait. Oh, salut! Ouais, mais c'est pas toi que je voulais parler, c'est au docteur. Bien manger est important pour la santé. Fais attention à ça, n'hésite pas à manger plus de légumes. Ok, monsieur. Au revoir, monsieur. Ah, tiens, Lewis, qu'est-ce qu'il a, Lewis? Le salut est très animé le soir, des fois. On met un peu une petite pièce dans le jukebox et glousse. Ok, il rigole. On va continuer à visiter. Écoutez, j'ai pas encore tout vu. J'ai pas envie de faire la quête de Willy avec le hareng, donc je sais pas si c'est obligatoire. Parce que clairement, pêcher, j'aime pas. Je trouve ça ennuyeux comme pas possible. Mais on a de l'énergie, on a arrosé, on ira planter nos trucs après. Tiens, c'est quoi ça? C'est en ruine? C'est fermé. Ok, bon. Ah tiens, là-bas, il y a un truc. On peut le nettoyer, ça? Les enfants, ils pourraient jouer là-dedans. Au lieu que ça soit tout pas propre. Hop. Écoutez, on va finir ce jour-là. Je pense qu'après, on arrêtera là pour cet épisode. Je sais pas du tout combien de temps ça aura duré pour le coup. J'ai pas chrono. Ah, ah, j'ai une graine en vrac. Ah, j'ai plus de place. Bon, bah écoutez, on sait qu'il y a une fleur ici. On ira la récupérer plus tard. C'est pas grave. Alors, on va essayer d'aller voir ce qui se passe. Donc ici, il faudra savoir ce que c'est ce bâtiment. Parce que là, j'en ai aucune idée. Ah, il y en a encore une là. Oh, bah très bien. Faut qu'on les récupère, les plantes. Ah, où on va là? On est sur une propriété. Oh tiens, je le connais pas. Salutations, je suis Démétrius, scientifique et père avant tout, ravi de faire ta connaissance. Bah moi aussi, écoute. Je t'ai jamais vu. Ça me fait plaisir de te rencontrer, mon petit gars. Tiens. Ah, c'est Robin. Celle qui s'est foutue de nous quand on est arrivé. 450 pièces de bois et 10 000 en argent. Non, pas pour le moment, j'ai pas assez de sous, Robin. Acheter. On va pas récupérer les fleurs en passant. Bah allez, bonne journée, Robin. Oh, tiens, il y avait quelqu'un. C'est qui? Viens là, toi, je te connais pas, je crois. Mais viens là! Oh, c'est toi qui viens d'emménager, cool. Tu vois, c'est qui? Sébastien. De tous les endroits où tu aurais pu vivre, tu as choisi Pelicanton. Bah ouais. Visiblement, elle a choisi Pelicanton, mon personnage. Bon, par là, il n'y a personne. Bon, écoutez, on a rencontré des personnes en plus. C'est plutôt sympa. On va retourner. Ouais, quoi que non, on va continuer un peu d'explorer de ce côté-là.
Donc on l'a vu lui. Oh tiens, c'est quoi ça? Un poireau, on peut le planter? Oh tiens, il y a autre chose. Ah non, ça rapporte de l'énergie et de la santé. Ah, plus que ça. Oh, intéressant. Oh, dommage, on n'a plus de place. Oh, on va aller vendre le caillou qu'on a sur nous à Robin, écoutez. C'est pas très grave. Apparemment, après, on aura la mine aussi, d'après ce que j'ai vu sur le plan. Donc, Salut Robin! Le bois, non, par contre, je le garde, parce que je sais pas si les arbres qui sont petits vont pousser. Ce que je découvre, donc, hein. Ce jeu, ça, c'est quoi, ça? Donc, ça restaure juste de la santé et tout, mais bon. 13 de santé et 5. Ok. Bon, bah, écoutez, on garde, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Il est déjà 16h50, donc on va faire attention, parce qu'il va bientôt faire... La nuit va bientôt tomber, ça va très vite. Oh, tiens! Lui, on l'a pas vu. Alors, on va passer par là, donc il y a encore un espèce de totem, là. Pas trop à quoi ça sert, donc on verra si à un moment donné on a des informations dans l'aventure. Allez, on va aller voir ce petit personnage là qui a l'air de vivre dans un camp. Une étrangère, bonjour. Waouh, sympa, merci toi. Ne t'occupe pas de moi, je vis seule ici. Ok, ça marche, pas de problème, mon petit gars. Du coup, 24 personnes sur 28. Bah écoutez, on avance pas mal. Écoutez, je crois que dès qu'on a fini une quête, on récupère de l'argent ou des petites choses, donc voilà. On va les faire. Donc Robin, elle se promène avec le petit scientifique là, on va la laisser tranquille. Ils se font une petite balade en amoureux, on va dire. Bon bah écoutez, on va retourner à la maison. On va aller planter toutes nos petites choses. Ah tiens, je sais pas si je l'ai rencontré. Oh, tu viens d'emménager, c'est ça? Oui Maru, je m'appelle Maru, je voulais vraiment te rencontrer. Ah bah merci, oh elle est gentille la petite dame. Bon, allez, on va aller à la maison, on va aller planter nos graines. Donc il y a encore des plantes ici. Il faut que je sache ce que c'est ce petit truc là. Ah, j'adore. Enfin, je trouve ça plaisant de se balader et tout, et devoir faire des petites quêtes et tout. Donc, on va descendre. Je crois que pour aller à la maison, ce sera plus simple par là. Allez! Go, ma petite! Apparemment, il faut faire attention parce qu'au niveau de l'arrêt de bus, on a des plantes qui poussent. Regardez, il y en a encore une. Donc, on n'a pas de place pour celle-ci. En tout cas, on a des petites choses qui nous rapportent de la restauration, donc c'est plutôt bien. Donc on va les mettre dans les coffres, ça, on va pas les vendre. J'ai pas envie de les vendre. Ça pourrait se servir. Donc les graines, on va les planter. Ça, on va garder. Ça. Ah, on n'est pas obligé de tous les mettre dans les coffres. Ok, donc on va juste en garder une. Alors, on va s'occuper de planter tout ça. Donc un petit coup de... Non. Voilà. Alors, le petit arrosoir. Bah. Ah non, c'est l'autre clic. Hello. Eh, faut vraiment prendre. C'est ça, quand on joue à plusieurs jeux en même temps, il faut se souvenir de tout. Donc, une graine en vrac, je sais pas trop à quoi ça va nous servir. Il nous reste pas mal d'énergie, donc on va continuer à déblayer un peu. Quoi qu'on a déjà pas mal déblayé. Si, parce que ça a augmenté nos compétences. Ah, il va être 19h, donc on va pouvoir faire dodo. Donc écoutez, on verra au prochain épisode bah, ce qu'on fait, hein, tout simplement. On a rencontré pas mal de gens dans cet épisode. Votre hache n'est pas assez solide pour briser ce... Ok, ça marche. Donc on pourra déblayer certainement quand on augmentera nos compétences. Très bien, ma petite madame. Donc j'ai dit que je cassais pas... Oh, ma voix est en train de partir. Que je cassais pas les petits arbres. On va voir si ça pousse. Bon. Déblaye-moi tout ça, petit bonhomme. Je crois que c'est en faisant ça que j'ai récupéré mes graines en vrac. Ce serait cool d'en avoir d'autres. Le bout de bois. Il va être 21h. Oh, écoutez, je vais aller dormir. Et puis, bah, on verra ce qu'on fera au prochain épisode. Écoutez. En tout cas, on devrait avoir bah, ça qui va pousser du coup. Puisque bah on est au quatrième jour, donc ça devrait être planté, pousser quoi. Alors, je vous laisse là pour cet épisode. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Tchuss, tchuss, tchuss.